C'est YouTube. On arrête de jouer aux pièces. De jouer aux pièces. Au jeu plutôt. T'as quoi à vendre? Un lance-pique coup de soufflet. Un lance-carreau éclatant. Galogriffe élémental. Truc, j'ai rien. Peux rien acheter. Absolument rien acheter. Je peux en acheter. Super. Quelle vie de fou. Bonjour monsieur. Du ragoût. Il me vend du ragoût, mais j'ai déjà plein de ragoûts dans les poches. On va faire de ragoût. Bon, Kotalo est là-bas. C'est à elle que je veux parler en fait. C'est pas à toi là-bas. Je veux écouter la rumeur. What you've done for my people is known throughout the clan lands, Easter. I'd like to help you if I can, lending you my eyes and ears. Nothing happens in this area without me knowing. D'accord, mais crache le morceau quand même. In fact, I should tell you. A Tallnex made its home in an abandoned village southwest of here. But I hear there's other, less amenable machines stalking the area. I'd avoid going anywhere near there if I were you. Thanks for the heads up. C'est vraiment tout ce qu'elle a à me dire? C'est quoi ça comme quête? Il y a un autre grand coup. D'accord. Rejoindre le grand coup, d'accord. C'est juste pour me dire il y a un grand coup. C'était très inutile. Merci beaucoup. Très inutile ce que tu m'as proposé là, Micheline. Mais merci beaucoup. On a saccagé les avant-postes. La ruine, là, on peut pas y aller encore. Pourquoi on n'a pas pu faire la ruine? Parce que j'ai pas le truc pour les fleurs. C'est quand même ouf, ça. Le jeu doit me détester. Mais ça sert à rien, on peut pas y aller. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose d'autre à explorer dans ce village. Donc on va parler à Michel et voir ce que ça donne. Kelato. Des potions. Défense élémentale, ok, why not. Bonjour Michel. C'est Kotalo, pas Kelato. Je me trompe dans tous les prénoms. Énorme. This valley is infested with Regala's rebels. The scouts from the village tell us that they've been moving machines through here for days. Some they ride, others they herd along, and some they even strip for parts, especially cannons. The path ahead will not be easy. We should get going. My orders are to guide you to the bulwark so that you can speak to Dakota. For all the good it'll do. Not so fast. I'm gonna need a little more than that. Let's go pour la roue de dialogue. What is this place? Stonecrest was built as an outpost back when the clans were still at war. Its purpose was to guard the entrance to the valley, as well as keep watch on what happens below. And for now, that means keeping watch on Regala's forces. I wish we had enough soldiers to do more than just look on. Il a mis un bonnet de douche sur son moignon ou quoi? J'ai l'impression. Bizarre. For all the good it'll do? What's that supposed to mean? The bulwark has stood unyielding since the birth of our clan. Behind it, Tecote believes himself to be invulnerable. If he insists on defying Hikaru's orders, an outlander and a maimed marshal aren't gonna change his mind. Your chief seems to think differently. And that is the only reason I am still standing here, talking to you. Sympa lui.
What makes you so sure Takote won't listen to us? A snake safe in its lair. He has nothing but its own rattle. Come on, is that all you've got for me? Hikaru said you were from the Sky Clan before becoming a Marshal. I need to know what you know. Takote is a petty, vindictive schemer. If he had any guts, he would have gone after Hikaru long ago. But instead, he covets the chiefdom from behind the bulwark, biding his time, hoping that his foes will weaken one another. Is that enough for you? For now. Peut-être falloir faire un stage pour la gestion de la colère, Kitalo. Je dis ça après. What makes the bulwark so impenetrable? It's made of massive boulders, impervious to any frontal assault. No army or machine has ever penetrated it. I am the only thing that can get you inside. If we're done talking, that is. Why do you think Regala's forces are driving machines through the valley? We've heard similar reports from across the clan lands. The rebels are gathering machines from the wilds, but whatever control they have over them doesn't seem to last. So they herd them into camps. Something else happens there. Something that makes their control permanent. I've been to their camps. You're right. They have equipment that can establish a lasting override. May the Ten help us all. But it gets worse. We've heard rumors that the rebels are scouting larger machines. I don't know what kind. Let's hope they don't learn how to override them, too. You were at the embassy. I was. I'm sorry about the other marshals. Their deaths will not go unpunished. You're still healing. I will never heal. But that won't stop me from cracking any skulls that need it. Good thing you're on my side, then. Ne parle qu'en grognement. So, what's the plan? The bulwark is to the southwest. So undoubtedly we'll have to cross paths with Regala's troops along the way. We'll either have to fight our way through, or find a way to sneak past unnoticed. Neither will be easy. Never is. Let's get this over with. Let's go, Michel. Je te suis. How would you convince Takote to send his challengers? I wouldn't. Come on. To knock the respect of blade and the strength of the fighter who wields it. How good is anyone who lacks that? Well, lucky for us, we're both good fighters, but let's hope it won't come to that. So this whole valley is the Sky Clan's territory? Yes. The clan has defended it for generations. Against who? The other Tanakh clans. Even the Karja, long ago. If you want a history lesson, talk to the chaplains. When you left the Grove... Rebels ahead. How did you know I'd agree to help Hikaru? Hack away at that machine. Gut them. Or sneak around. I will follow. Nous allons tuer les rebelles. Tiens. Il ira pirater ta maman. On est à deux dessus. On va pas le mettre à sa place. Il reste un mec. Il est où? Il est où l'archer? Je vois ses flèches mais je vois pas où il est. Ah, il est là.
va, tranquille. Et dans l'eau, bro. Les pieds dans l'eau. Bien loupé ça, c'est cool, j'ai bien aimé. Prendront pas à revers quoi. Quelques flèches de feu. Les rebels were gathering machine parts, maybe to make more overrides. And Takote won't do anything? Why would he, when he has the bulwark? I grew up behind the wall. It's easy to have a false sense of safety there. Ça, cette partie de la carte est trop belle. En vrai, ouais. Il y a une espèce de transition en plus entre neige et espèce de vallée automnale là qui est très stylée. More rebels in the clearing. C'est beaucoup plus varié que ce qu'on avait dans la première partie de la carte, qui était très désertique en tout cas. Encore des rebelles? On va les refaire. Hein. C'est beaucoup plus joli. Il y a beaucoup de gars avec des teuillots là. J'aime beaucoup de gars avec des teuillots là. Oh. Oh. Ils m'ont pas vu. Ils sont nuls. Il est mort? Ouais. Okay, on va essayer de se faire le camp discretos. Vous êtes beaucoup quand même. Non, vous êtes 4. En fait, vous êtes pas tant que ça. On va arriver à se faire le deuxième bouclier, après c'est win. Après, on peut tabasser les autres très fort. Dead. Recent. Get searching. Don't just stand there. Find whoever did this. Leave the body. Find who did this. L'attaque silencieuse qui n'a pas marché. J'ai adoré. Aïe, bien entendu, il arrive très fort par derrière. Super. Un jour, je comprendrai la portée des attaques d'Aloy, mais pas aujourd'hui, je pense. Très bien. Il y en a encore une normalement, non? Ah, pardon. Ok. Arrête de la taper. Ah. C'est moi ou... Kétalo, il m'a fait perdre l'équilibre. Ok. Now let's go. Attends, ils ont peut-être des trucs, non? Déjà, il y avait un feu de camp. On est bien, on sauvegarde. Important. Ils ont plein d'argent. Kétalo, il s'en fout de l'argent. Ils ont peut-être un bras pour toi, on sait jamais, un bras robot. Et voilà, il y a des caches. Kétalo, c'est un bourrin. Il réfléchit pas assez avec sa tête. Il réfléchit qu'avec ses bras. Et le problème, c'est qu'il en a qu'un. Du coup, il réfléchit deux fois moins maintenant. Déjà qu'avant, ça avait pas l'air d'être une flèche. Hein. Bon, allez, il est où leur fameux rempart, là? Il doit être tout au nord de la map. Back at Stonecrest, you said the rebels have been moving through here for days. By the time Takote realizes he's outmatched... This entire valley might be overrun. If not for the sake of the rest of the clan, I would welcome that day. To see his pride ruined. Je vais jamais savoir ce que c'était comme... Je scanne Kotalo. It
Pourquoi on s'est donné un point de rendez-vous si loin de ta ville? Bon, on est plutôt ready là. Alors, tu veux que je fasse quoi là dans le coin? Site de griffes de gel, truc. C'est là la colonie, ok. On est assez loin de la zone de départ au final. On est vraiment parti très à l'est. Enfin, à l'ouest. Pff, fatigué. Hein. You there. A marshal requests an audience with your clan commander. I didn't know there were any marshals left. We defend the path to the mountain, where the wings of the Ten shall find us. All right, marshal. I'll send the lift for you. Again. So this was home. A long time ago. Come on. Deux têtes de mule préférées. Que des têtes de mule dans le jeu de toute façon. C'est simple hein. Que des têtes de mule ou des gens qui veulent... Oh. Me dites pas qu'on va rejouer au jeu de plateau pendant une heure. Ah ça c'est mon rêve ça. L'impression que si, hein. Bon, on va commencer par le suivre déjà. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va, Kotalo? J'ai l'impression qu'on va rejouer au jeu de plateau pendant une heure, hein. Il y a des nouvelles tenues. Oh, elle est trop jolie celle-là. Donne. Il me faut un circulateur d'aile des lions, mais j'ai pas. C'est vraiment déçu. Faut que je tue des ailes des lions. Well, this is a warm welcome. An outlander and a maimed marshal. A spectacle. Reminds me of where I grew up. I never decided which was worse, when they shunned me or when they stopped and stared. Right now, I prefer shunned to cocktails inside. Shall we? Let's go! Parlons à tes côtés! We're here for énorme. Let us in. Ouais, jolie la tenue bleue. Attends, on va voir si on peut pas la négocier pour un petit prix. The Sky Clan's mighty son returns. Bless the Ten. Your chief has demanded an immediate dispatch of all challengers to the Cool Root. We're here to make sure yours haven't gotten lost on their way to the Grove. I see. On est plus sur une ambiance Cro-Magnon là, ouais. Chief a mighty blow. If he's sending you two as messengers. This one defeated Regala's champion Grutta at the embassy. She fought honorably. I had the sense to bar our soldiers from that embassy. Just as I have the sense now to keep our challengers here. If they must fight, then they will fight here, defending our walls. Our clan. That wall won't protect you.
Not from the machines Regala controls. They're already at your doorstep. And what do you know of the battles that the Bulwark has withstood? The blood shed upon stone. I know it wasn't meant to be used as a coward's shield. Oh, pas content, tes côtés. You were a great warrior once. But that was then. You tell Hikaru, with all due respect, that we will keep our challengers here for as long as we are safe behind the bulwark. Je crois qu'il nous dit de partir. I told you, words are useless with his kind. We're gonna have to kill him. It won't be easy with all his men above. Are you even listening? For as long as we are safe behind the bulwark, he said. Elle va péter le rempart. I need to get a closer look at that wall. What? Why? On va péter la mur. On va péter le mur. On va faire un gros trou dans le mur là, ça va être bien. Ça, il sera moins condescendant là, tes côtés, je sais pas quoi là. Attendez, on pouvait jouer au... Par contre, attendez. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd qu'on pouvait jouer au jeu là. On va péter le mur, hein, je vous préviens. Mais d'abord... D'abord, il faut qu'on joue à ça. Là. Ah, désolé, hein. C'est très important. Extrêmement important que je joue, on fasse un petit jeu de plateau. Ah, ça va, le plateau est plus sympa que la dernière fois, donc ça devrait aller plus vite. Excusez-moi. Hein. Extrêmement important, là. C'est réparti. Ah, y'en a pas pour longtemps, ça va, j'ai appris à jouer au jeu. Il a un 5-9 que j'aime pas trop. Il a un 4-7 aussi que j'aime pas trop. C'est quoi ça? Ravageur. Attaque touche votre cible ainsi que toutes les machines qui sont perpendiculaires. Ok. Et le carapateur. Machine ne possède pas de talent. Ok, c'est bon. J'ai juste beaucoup de vie, mais ça sert à rien. Ok, ok, ça va le faire. On est reparti, désolé. Hein. Oh, tu vas tellement mourir, toi. Oh, c'est dommage. Hein. Assez dommage. Assez dommage. C'était la dernière fois. Oh, c'est un peu chiant, là, ce qui est en train de se passer. Je vais pas vous mentir. Ça. On va faire ça. Oh fuck. Faudrait qu'il surcharge. Il a pas osé. Oh! Il est trop fort ce truc! Faut le tuer tout de suite. Je peux pas le tuer. Au secours. Oh, je suis très triste. Je pensais que je pouvais, mais en fait je peux pas. C'est loose. That machine's out. Quoique non, ça va, c'est win en fait. Non, c'est loose. Non, en vrai, ça va, c'est peut-être pas loose. Attendez, ça va être win. Imminent.
qu'on a fait beaucoup de dégâts à sa machine principale quand même. Let's see. Make your move. Le problème, c'est qu'il joue de manière intelligente, il s'est bien barré là. Faut qu'on joue smart aussi. Time to make my move. Non mais il est sérieux? Il fait les moves d'un enfant de 5 ans. Moi aussi je peux faire, regarde, on n'avance pas. Hein. Moi aussi je peux faire ça pendant 8 ans. Ah. Alors peut-être. Bah non, non, du coup non. On s'emmerde. Hein. Bon, on le savait qu'on allait s'emmerder, mais... Mais c'est toujours impressionnant à voir. Gotta think about this. Non. Goodbye to that piece. Je pense que je suis mort. Je sais pas pourquoi j'essaie de l'emmener au bout cette partie, mais je pense que c'est mort. Board is yours. I think my next move should be... C'est sûr. Look at all those victory points. J'ai des victory points. Guess we're done with that piece. Ok, c'est pas mal, mais il gagne au prochain tour, donc est-ce que ça valait le coup? Non. Non, ça valait pas le coup. Voilà, c'est win pour lui, bravo à lui. Il était trop fort. C'est faux. C'est moi qui étais à chier. Time to celebrate. Let's see how you do. Non, mais maintenant je sais ce qu'elles font ces pièces donc ça va. Ça va être facile. Fallait savoir quoi. Maintenant nous sachons. Gotta think about this. Your move. Si j'arrive pas à le battre là, je le battrai plus tard. On va éviter de les mettre sur la même ligne, en vrai. Time to make my move. Oh, le relou. Et c'est pas mal parce que ça l'attire. On tient peut-être un truc là, on est peut-être sur un truc. One down. Dommage. On était sur un truc et c'est devenu de la merde. C'est devenu face de la merde. Pas mal d'avoir fait ça en vrai. Oui. Et il détruit sa pièce en même temps. Oh, je suis un génie.
Vous avez douté alors qu'en fait je suis juste un génie quoi. Bon, j'ai pris cher quand même. Je suis un génie qui a pris cher quoi. Ah, il pourra pas m'en taper plusieurs en même temps. Make your move. Oh, c'est chiant. C'est chiang. Monsieur, il est pas sympa. C'est un peu chiant. Let's see. Il a gagné, non? Oh non. Je pense que j'ai pas pris la bonne stratégie. Mais... Non, c'est pas possible de gagner avec ces pièces-là. J'aurais adoré, mais ça pue. En fait, ces pièces, elles attaquent de trop loin. On peut rien faire. On peut rien faire. Elles attaquent de trop loin, ces pièces-là. J'ai pas des pièces qui attaquent de loin. En vrai, si, j'essaie ça. Alors, si on teste avec ça. Ready? C'est trop dur, hein. Moi, je suis pas fait pour les jeux de stratégie. J'ai pas joué. Dernière partie de Risk, elle a 8 ans, quoi. Board is yours. Bon, on a moins de pièces. Du coup, j'ai la même que lui. Ouais, on a plus de portée dans nos attaques là déjà, donc ça va être marrant. Là, on va rigoler là. Time to make my move. Your move. C'est vachement vite sacrifié pour pas grand chose quand même, j'ai l'impression. Je vais prendre un dégât. Guess we're done with that piece. Y'a pas de soucis, je veux bien le prendre. Hmm. C'est bon, il a chié maintenant. Go right ahead. Okay. On a enlevé la pièce chiante du lot. Donc là, on va commencer à s'amuser. C'est bien, c'est qu'il est pas du tout bloqué dans un coin, donc c'est cool. Il suffit d'avancer les pièces petit à petit et je pense que c'est win. You're up.
I am grateful for that armor. Let's see. Bon, j'ai une pièce de Marthe. Let's go. Goodbye to that piece. Mais ce n'est point grave. I think my next move should be... Board is yours. Je pense que t'es un peu mort là, non? Good thing my machine's armor can handle that. Bizarre l'ambiance ici. Hein. One more piece off the board. Ok. Ça se passe mieux. Bon, ça c'était un peu chiant. Tu l'as pas tué par contre. Make your move. One machine left. I'd better use it well. Ok. Attendez, il y a du mieux là. Il y a du mieux, on va gagner. Je l'aurais pas cru non plus, mais j'ai l'impression qu'on peut win. You're up. Oh, c'est totalement win là. C'est win. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai l'impression qu'on a la team. Let's get this game going. Ouais, il va nous ressortir des pièces de derrière les fagots là. Ah non, il a que 3 pièces, mais il en a des nouvelles. Je sais pas ce que c'est ces pièces. Où est la Miricorée? J'en ai aucune idée, mec. Il est où la Miricorée à ton avis? Je sais pas moi. Pose ces questions, Alios, là. Time to make my move. C'est sur Wikipédia, la Miricorée. Oh, c'est dur, ça. Attends, quoi? Machine ne possède pas de talent, d'accord, mais elle fait quoi? Aperçu. OMG. Ah, elle tabasse fort, quand même. Oh. Didn't think you'd do that. Moi non plus, hein. Je pensais pas que j'allais faire ça. Je vais pas te mentir. Moins 5 de faire ça? Vas-y, on prend. Je pense que je te rebalais encore derrière. Hein. Je crois que je l'ai éclaté. Je crois qu'il s'attendait pas à ça. Ça peut pas être dur, c'est un jeu de plateau. Non, impossible. Par contre, j'ai gagné hein, de manière assez sévère. La partie était expéditive. OMG, va pas y avoir 4 heures de jeu de plateau. All right, let's get this started. Vous aussi, c'est ce que vous préférez dans Horizon, le jeu de plateau? Make your move. Commenter ce que tu fais, les raisons techniques de mes actions, bien sûr. Il y a ce gros truc là, un brise rock. Aperçu. Ça fait des dégâts en diagonox. Ok. Du coup, lui, il faut l'avancer. OMG, je fais quoi? Je l'avance pour pas qu'il se prenne le dégât du brise rock. Qui a une... Oh. Ah mais je suis dans sa portée d'attaque quand même. Ok, d'accord, très bien. Ouais, non, j'ai... Ouais, tu sais quoi? Je vais pas commenter parce qu'après, vous allez juger. Déjà, je suis pas sûr de comprendre ce que moi-même je fais. Ok, let's go. Bon, dans tous les cas, le but de la manœuvre, là, c'est d'aller chercher la pièce à 9 de vie. Et après, on verra.
Quoi ça? Coureuse, ok. C'est une chaîne stratégie métacognitive, en vrai, ça peut aider. C'est vrai. Sinon, on comprend rien. Bon, moi non plus, je comprends rien à ce que je fais, donc vous savez. Hein. Habituons-nous à ne rien comprendre, non? En vrai. Je lui ai vraiment fait zéro dégâts à ce point? Non. Ouais, je vais le tuer. One down, ouais. I think my next move should be... Mais qu'est-ce qu'il fait avec son truc là? Il veut pas? Il veut pas jouer, il a pas envie de jouer au jeu. Il veut pas jouer au jeu, le type. Time to make my move. Ah, quand même, des fois il attaque. C'est one shot, ok. C'est cool à savoir en vrai. Ça me plaît en vrai. C'est toujours bon à savoir. C'est ton lycée à dire ça à tout le monde, la technique du canard? On n'a pas eu le même lycée. Hein. Pas de jugement, mais on n'a pas eu le même lycée quoi. Charging, are we? Could be risky. Could be risky, yeah, but I love risk. Let's see. Oh, il m'a tué ma pièce, m'a tué ma pièce. Pourquoi le jeu me déteste? Vous avez 4 heures. Alors on va la laisser là. Il a pris l'ascendant. Attends, il est littéralement en train de me fumer. Ah ouais. Ah désolé, j'ai fait de la merde à la fin. J'ai fait de la merde au début aussi. J'ai fait de la merde tout le temps en fait. Non, on peut le fumer, ça va. Pas dur, pas dur. Easy, easy game. Easy gaming, faut juste qu'en fait mes deux pièces les plus fortes, faut pas que je les sacrifie en fait. Et tout ira bien. Ah, j'ai deux de QI, c'est chiant. Oh. Alors là par contre il vient d'avoir deux de QI, donc c'est un peu dommage pour lui quoi. Ce qui est bien avec l'IA c'est que bon, on comprend pas trop ce qu'elle fait mais elle le fait quoi. Bah ouais, mais j'ai gagné là du coup. Ah non, mais elle va planquer ses pièces. Ça va durer 8 ans uniquement parce qu'elle va planquer ses pièces. Oh non, j'ai lose. Je sais pas jouer au jeu. C'est faux, c'est win quand même. Vous y avez cru, hein? J'ai tellement de pièces d'avance. Allez, merci, c'est gagné. Victory is yours, as is this. On a fini. Et voilà, merci à tous. C'est bon, on peut jouer au jeu. Non, mais moi je pensais qu'Horizon c'était qu'un jeu de plateau. Mais en fait, il y a d'autres trucs. Pourquoi personne m'a prévenu? Vous saviez, vous? Je savais pas, moi. Donc il faut qu'on aille vérifier le mur. Mais attendez, il y a des trucs à visiter. Il y a le ragoût de machin. Mais j'ai pas de quoi acheter des ragoûts. Après, ça et ça, c'est quoi là? Des fosses avec des combats aussi, j'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression qu'en haut, c'est une fosse là. Je sais pas comment, par où on monte. Monte par où la fosse? Ah là-haut. Allô? Ah non, il y a du ragoût là, il y a encore ragoût. Ah non, c'est une teinturière.
Ouais, mais on a la plus belle couleur, la plus belle couleur. La plus belle couleur là-dessus. Pas besoin. Ça, c'est quoi, ça? Vous êtes quoi, vous? Un peintre? Ah, on peut mettre des peintures sur le visage! C'est vrai que j'en ai jamais croisé encore. Est-ce qu'on lui met une petite peinture? Elles sont pas ouf, les peintures, hein, pour le moment que j'ai. Elles sont un peu bof, non? Après, on peut lui mettre une petite, un petit tatouage de TikTokeuse. Échapper le pot de peinture sur la tête. C'est le truc Tenax, ça. Ouais. Bon. Par contre, l'arène de combat... Ah, là, fosse de combat, j'avais pas vu. Let's go à la fosse de combat. Allons nous battre. Allons mettre de la fosse. Yo. What's going on here? Close combat training. Fighting at long range is a good strategy for machines. But fighting an enemy soldier means getting up in their face. I'm Araya. On est obligé, Croco. On est obligé, sinon ça marche pas. Come to the bulwark for the Kolrut challengers. But it'll take more than words to get Dakota to budge. You're welcome to train here, but you're only allowed your spear and a practice bow in the pit. Everything else stays with me. We also offer challenges for any fighters looking to test their skills. Complete all of them, and you'll go up against me and Varrock. What happens if I beat you? I'll grant you a mark to prove you've mastered this training pit. You earn marks from us and the pitmasters in Scalding Spear and Thornmarsh. You'll earn the right to challenge the Enduring. I think I've heard of the Enduring. Some kind of Tanakh trainer. Way more than just that. The Enduring is a legendary fighter among the clans. The master of masters. Only those who prove themselves in the pits get to train with the Enduring. Including Outlanders? Yes, if you can beat all the pitmasters. So, what do you say? Let me know if you want to practice in the pit or take on a challenge. Alors, la question c'est, est-ce qu'on a toutes les habilités pour faire ça? Lancer l'entraînement, d'accord? Elle veut pas. Voilà. C'est bon, je me suis assez entraîné au combat là. Je peux faire les vrais combats. Ouais, c'est un entraînement infini. Ok. Arrête, arrête le combat. Je veux arrêter le combat. The Outlander wins. Je parle des skills bien entendu, mais pas des skills humains. Entraînement terminé. Merci, mets fin à l'entraînement. Mais du coup, il n'y a rien d'autre à faire. Ah si, voilà. Défi. Didacticiel. J'ai débloqué didacticiel. Ouais. Entaille aérienne et plaquage. R1, R2. R1, R2, R2. Bon, on teste. Pas ça. C'est pas ça? Ok, j'ai. Ok, j'ai. Get in the air and slash down at your enemy. You'll also find this move is a good way to set up follow-up attacks. Okay, c'est bon, c'est bon, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Très bien, on a fait ça. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Saut arrière, R1, maintenir R2. Ok, c'est bon. C'est maîtrisé, tout ça est maîtrisé. Ça, je l'ai, je le fais souvent. Voilà.
R1, pousser vers l'avant, R2. Quoi? Jump off. Ok, d'accord. These will get you distance from your opponents and set up aerial shots. Du coup, tu passes par derrière. Ça, c'est des trucs, je vais vite les oublier, jamais on les utilisera. Mais let's go. Hein. Quoi? Ok. Good fighting. You did well. C'est bon, je sais jouer au jeu. Très bien. Du coup, il y a des défis? De apprendre entaille aérienne saut arrière, entaille demi-lune et brise parade dans l'arbre de compétences. OMG. Ok, on peut faire ça. Esquiver une attaque imminente, saut arrière et R1 R2, tirez sur votre adversaire quand vous êtes dans les airs. Ça a l'air compliqué. Hein. Ok. Et tirez sur votre adversaire quand vous êtes dans les airs. J'ai pas le droit de le faire deux fois. Ok. Ok. Oh, mais du coup, faut le faire en un coup. Ok. This combination gets you out of trouble and punishes your enemy. Les défis sont easy, ça va. Ok. Recherche et attaque. Sautez par-dessus votre premier adversaire avec R1 poussé R2. Effectuez une attaque plaquage sur votre deuxième adversaire. R2 pendant la chute. C'est compliqué ça, non? Ok. Survival on the battlefield is down to tactics. Je suis trop fort. Your best target isn't always the closest. So select your target and strike. Mais c'est cool, ça t'en prend, en fait, ça t'apprend plus des mouvements avancés qu'autre chose. Bon, les trucs, c'est que là, les sortir en conditions réelles. Et du coup, c'est quoi ça? En taille aérienne, saut arrière, en taille demi-lune, what? Hein? Et brise parade dans l'arbre de compétences? J'ai pas briseur continu, en fait. Ok, il est où dans l'arbre de compétences, juste pour voir? Il doit être dans guerrier, je suppose. Ouais, il est là, il est loin. Hein. Bon, on pourra pas le finir aujourd'hui. Enfin, on pourra pas le... On a pas, j'ai pas de points de compétences. Mais ok, je retiens que t'es là. Michel, je retiens que t'es là. Bon bah finalement on va pouvoir aller voir on va pouvoir aller voir l'entaille. On va pouvoir péter le mur. Mais YouTube pour toi sera dans la prochaine VOD. Désolé YouTube, j'espère que t'as aimé les jeux de plateau. Au revoir.